J'ai une question. Tous on dit comment les idées beckeriennes sont aidées, blablabla. Ce que je voudrais savoir, c'est comment les idées beckeriennes ne marchent pas. Pour moi, c'est la chose plus intéressante. Connais-tu cette chanson que nous pouvons jouer ensemble? Si oui, ok, nous jouons. Sinon, il faut trouver un autre. C'est une question très pratique. La réponse, il faut tout un livre pour fournir l'explication comment ça arrive. Manière que lui avait été pianiste, gagné sa vie en tant que pianiste et sociologue à Chicago il y a 50 ans de ça, ou même un peu plus maintenant. Moi, c'est ce que j'avais fait aussi à Chicago, mais à Toulouse. Et j'étais pas pianiste, j'étais contrebassiste, mais c'était mon métier. J'ai gagné ma vie comme ça pendant mes années de thèse. Et c'est finalement des situations qui sont pas si courantes que ça. Il y a vraiment des sociologues qui ont travaillé sur la musique, sur le jazz, etc. Mais assez rarement, vraiment de l'intérieur et pleinement de l'intérieur, en gagnant vraiment sa vie avec ça, et pas simplement en allant faire des entretiens avec des musiciens, en allant observer ce qui se passe, mais en le vivant vraiment. Ce sur quoi Becker a vraiment apporté quelque chose à partir de son travail sur la musique et les musiciens, c'est cette notion donc de collaboration, cette notion de chaîne de collaboration, du fait que voilà, on fait jamais rien tout seul, et que finalement voilà, la production musicale c'est une œuvre collective et qu'une œuvre est toujours collective. Voilà, c'est un petit peu l'idée, des mondes de l'art, hein, le deuxième grand livre de Becker après Outsiders. L'idée de dire qu'une œuvre est toujours collective et qu'un film de un tel ou de un tel, ça ne veut pas dire grand-chose, et que finalement chaque nom qu'on va trouver dans le générique est à sa part pratiquement d'importance égale dans la production de l'œuvre. Et à partir de là, si on peut élargir ça au-delà des mondes de l'art, on en arrive à ce que Becker appelle « doing things together », faire des choses ensemble, à savoir que au niveau de la société entière, la vie, on va considérer ces systèmes d'agencement, ces systèmes de collaboration qui permettent que les choses se fassent, que les choses adviennent. Quoi. Arrête avec tes remarques sexistes.
D'accord. Entre le monde de la coopération à la Becker, et dans une certaine mesure, on peut dire que le monde académique que nous incarnons ici tous est un monde de la coopération, mais c'est aussi un monde de la violence symbolique, comme Bourdieu aurait dit. Et l'imposition du monopole de la vérité, il faut quand même faire avec. C'est-à-dire que c'est peut-être là où il faudra creuser un jour. Il y a bien cet article, ce dialogue, encore une fois, entre Alain Pessin et Howard Becker sur l'opposition champ-monde. Hein. Mais je pense que à partir de la question sur la transmissibilité et sur la possibilité que puisse un jeune d'utiliser les leçons qui lui ont été transmises, et sur les possibilités et les impossibilités, on s'en rend compte qu'à un moment donné, dans la notion de monde telle que Becker la propose, pas une impasse, mais une limite. Et où peut-être la notion de champ, avec ce qu'elle autorise sur la violence, donne le moyen d'aller un peu plus loin. Hypothèse, ou en tout cas proposition, pour la discussion qui va bientôt suivre. C'est pas du tout la lecture que j'ai eue, même des mondes de l'art, quand je l'ai utilisé moi-même. Il parle de hiérarchie, il parle d'outsiders, il parle de gens qui n'arrivent jamais à rentrer dans le milieu. Finalement, dans Becker, il y a énormément de choses qui font rejoindre Bourdieu. Alors, il n'en a pas une vision aussi systématique, homologie des structures, habitus. Donc, on n'a pas ces concepts lourds, qui pour certains fonctionnent bien, mais pour d'autres sont plus compliqués à mettre en place dans un cadre empirique. Mais on a bien les notions de hiérarchie, on a bien des concepts qui nous permettent de penser aux professionnels intégrés versus les outsiders. Et bon, je pense qu'il y a des gens ici qui vont parler des losers. Et on a tout ça dans les mondes de l'art. Moi, ce que j'adore chez Howard Becker, c'est justement cette capacité à nous donner l'impression qu'il n'y a pas de concept. À nous donner l'impression, alors qu'il y en a, comme quand on lit Tocqueville. Enfin, voilà, on peut lire Tocqueville en se disant « c'est bien écrit, quel beau français ». Et on peut aussi voir les concepts qu'il y a derrière chaque mot, et l'explicitation de ce concept avec des petits exemples. « Je me promenais ». Voilà. On peut être pris par la rhétorique, mais on peut aussi voir derrière, justement, cette force de conceptualisation, mais qu'il n'aime pas mettre en avant. Comme finalement Goffman. Enfin, on est là dans la tradition de Chicago. En tout cas, c'est comme ça que je le dis. Days I knew as happy sweet sequester day. J'ai longtemps travaillé comme ethnographe sur les sujets très classiques du travail dans l'industrie automobile, les centres d'appel, enfin, des sujets très, très riants. Et puis j'ai eu la chance d'être aussi chanteuse amatrice de jazz et j'ai progressivement tenté à mon modeste niveau d'utiliser les leçons de Ward pour essayer de donner quelque chose sur le genre, notamment pourquoi il y a si peu de femmes dans le jazz, mais aussi plus largement dans les mondes de l'art. J'attends le photographe. Ça marche là? Bonjour. Oh non, ça, je ne suis pas capable. Les gens parlent. On a l'impression qu'ils s'intéressent à ce qu'ils disent, qu'ils sont contents de ce qu'ils disent les uns les autres. On a l'impression qu'ils sont contents d'être ensemble, de pouvoir bavarder, de pouvoir poser des questions. Monsieur Becker a l'air extrêmement gentil et ouvert. Et il parle un bon français, il essaie de se faire comprendre et il se fait comprendre. Et pour le moment, je crois que c'est un bon colloque. Clément,
Clément. Vous vous dégagez par là. Encore, encore. Et là, ceux qui sont derrière, dégagez-vous. On ne pas vous, les jeunes. Ruche. Ruche. Il y a un, deux, trois, quatre. Nous sommes jeunes. Il y a une place sur les bancs. Asseyez-vous. Venez vous asseoir. Des vieux ou des jeunes, les personnes? Venez vous asseoir. On a fêté cette année le centenaire de la création des Décades de Pontigny par Paul Desjardins, que vous avez ici, qui était mon grand-père, et qui a eu l'initiative de ces Décades. C'était un professeur de littérature qui a eu une conversion morale, qui a créé en 1892 une Union pour la vérité, une Union pour l'action morale devenue l'Union pour la vérité, qui se réunissait à Paris et qui a ressenti le besoin d'entretien d'été où il puisse réunir l'ensemble des personnes qui voulaient réfléchir avec lui sur ces questions. Et donc il a inventé ces retraites de 10 jours où les gens venaient vivre ensemble pour réfléchir ensemble. Mademoiselle, vous voyez là Mauriac, François Mauriac, vous voyez là Paul Valéry. Vous voyez là Roger Martin Dugard, vous voyez là André Mauroy, on voit là Georges Duhamel. Et puis, si on va un peu plus loin dans le temps, on voit un tout jeune Jean-Paul Sartre à 25 ans, Malraux, Bachelard, Jean Kélévitch, Raymond Aron. Là, vous avez autour de Raymond Queneau, en 1960, la création de l'Oulipo. L'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. La création de la revue telle qu'elle, avec Michel Foucault ici, avec Philippe Solers, Jean-Pierre Faye. Et puis voilà, Cerisy poursuit sa vie depuis cette époque. Il a connu une très grande époque de gloire et de notoriété dans les années 68-70, parce que c'était un engouement pour la théorie, la philosophie, etc. Les mouvements étaient tels qu'il n'était pas question d'organiser la salle de conférence comme une salle de conférence ordinaire, avec une estrade, etc. Donc, il s'était organisé en rond. Et là, on est en 69, c'était l'agitation. Là, on a un colloque un peu particulier, c'était en 81, sur l'auto-organisation de la physique ou politique. C'est le moment où la gauche est passée au pouvoir en France et où tout d'un coup, tout le monde a cru que les choses pouvaient devenir possibles et qu'on allait pouvoir avoir une autre organisation de la recherche. Alors, il y a eu un grand débat au grenier du château, où tout le monde essayait de fantasmer dans le grenier. Comment réinventer maintenant que tout devient possible? Ça n'a pas duré très longtemps, l'enthousiasme, etc. Je travaille sur les choses très concrètes. Comme maintenant, je travaille sur les vêtements. C'est pas un sujet spirituel. C'est un sujet quotidien. Tout le monde se lève au matin. Il faut s'habiller. Okay. Qu'est-ce qu'on porte? Ce type de question. Très pratique. C'est ça qui m'intéresse. Vous avez insisté sur finalement la comparaison possible aussi entre le mode de production artistique, celui du photographe dont on vient de parler, et le mode de production sociologique. Oui. Et ce qui m'intéresse à ce sujet, c'est justement cette dimension. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas écrire les mondes de l'art sur les sciences sociales, qui s'appellerait les mondes de la sociologie ou les mondes des sciences sociales, c'est-à-dire retourner oui. vos trois opérations sur notre propre manière de travailler, ce qui pose un ensemble de questions très drôles. Alors je vais juste en poser une seule, c'est la question justement du générique en sociologie.
ou en sciences sociales en général. On est tous en train de faire des travaux très collectifs. D'ailleurs, ici, on est dans un colloque qui est organisé aussi derrière quelque chose, un projet collectif. Et donc, il y a cette question de où est-ce qu'on arrête le générique dans nos propres travaux. Je ne parle pas simplement de la signature, bon, qui est un élément important, mais je parle simplement de, finalement, comment prendre en compte la dimension collective de notre activité dans la restitution de nos travaux. Oh, c'est une bonne question. Vraiment, non. Il faut une réponse très longue, très compliquée, mais en bref. Pour moi, c'est vraiment une question, parce que j'ai toujours le sentiment d'être en train de faire quelque chose de collectif. I mean, je pense, quand je pense, j'ai le sentiment de penser avec les autres. Nous sommes en train de faire comme maintenant. Nous sommes en train de faire quelque chose qui n'arrive pas autrement. Parce qu'il faut que je réponde à votre question. Et puis, des autres, je dis, ça peut être intéressant. Il faut suivre cette piste. Et nous faisons ensemble quelque chose de nouveau. C'est toujours comme ça. La convention d'attribution de crédit sont qu'est-ce qu'ils sont dans notre champ. Mais je suis toujours conscient de la contribution des tout. Pensée et la démarche même d'un Howard Becker continue à m'influencer quand je conduis ou surveille la conduite de travaux qui portent sur, ça va peut-être vous étonner, c'est loin de l'art, la marche urbaine. On est tous, à un certain degré, un bon observateur potentiel de cette pratique qu'est la marche, mais en même temps, c'est un peu comme quand on est musicien. Ce n'est pas parce qu'on est musicien qu'on est sociologue de la musique. Et là encore, cette manière presque sans y toucher que peut avoir Howard Becker de travailler, d'être en observation participante ou d'être juste là sur le bord de regarder ce qui se passe sans rien dire, toute cette manière extrêmement respectueuse des acteurs que peut avoir Howard Becker de travailler, c'est extrêmement utile pour des chercheurs. Déjà, il y a un premier point, c'est qu'il m'a permis dans ma thèse de faire la thèse que je voulais faire. Je suis expert comptable et j'ai fait une thèse sur les outils de gestion dans les organisations créatives, comme les maisons d'édition, les théâtres ou les squats d'artistes. J'étudie en fait le parler du chiffre. On dit souvent qu'il y a une objectivité par le chiffre, et en fait j'étudie ce parler du chiffre, aussi bien dans des entreprises cotées, et puis aussi dans des organisations qui sont, entre guillemets, alternatives. Et puis j'ai lu Les Mondes de l'art, j'ai lu Outsider, et j'étais très très frappée par cette simplicité de l'écriture. Et alors là, je me suis dit, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec lui. Donc je lui ai écrit, j'ai envoyé un mail, et je lui ai demandé si je pouvais le voir. Il me dit, oui, mais j'habite à San Francisco, donc si un jour tu viens à San Francisco, si un jour vous venez à San Francisco, ça sera possible. Et puis je suis allée à San Francisco, et je lui ai demandé si c'était possible de se rencontrer.
Et quand j'avais peur d'être en retard au rendez-vous, donc j'ai pris un taxi. Et le taxi, je monte et je dis « Ah, je voudrais aller à telle adresse ». Il me dit « Ah, mais vous allez chez Oui ». Et je dis « Oui ». Mais moi, je ne savais pas qui c'était Oui. Je dis « Moi, je vais chez Howard Baker ». Il dit « Oui, c'est Oui ». Alors, on est arrivé, puis lui, il est descendu, puis il m'a présenté à Oui et Diane. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Et on est allé au café, et puis je lui ai expliqué toutes mes difficultés. Puis il m'a dit « Tu peux me réécrire si tu veux ». Donc j'ai écrit comme ça, puis il m'a répondu. Et ça m'a beaucoup accompagnée, et ça m'a permis méthodologiquement de construire, de pouvoir m'appuyer sur une méthodologie et répondre à certaines, entre guillemets, oppositions. Et puis sur le terrain, pour l'écriture, ça m'a permis d'essayer d'avoir cette écriture simple auquel j'essaye de m'attacher. J'y arrive pas forcément, mais auquel j'essaye de m'y attacher. Vraiment aussi une grande chance de vous rencontrer, Monsieur Baker, parce que pour nous, sciences de gestion, et notamment nous qui travaillons sur la gestion des organisations artistiques et culturelles, vos livres sont des livres de chevet. Ce sont vraiment des bibles et qui nous accompagnent dans nos cours, dans nos recherches et auxquelles on revient toujours. Donc je voulais dire ça, c'est très important. Alors hier, dans une réponse que vous avez faite à Alain Caravel sur le processus de création, vous avez dit « la créativité n'est pas une chose rare, elle arrive toujours ». La chose la plus intéressante, c'est après le moment de la création, qu'est-ce qui arrive ? Alors nous, on va essayer de vous parler de ce qui arrive après le moment de la création pour des artistes pour lesquels il n'arrive rien, précisément, ou peu de choses. Voilà. Donc, c'est l'histoire, en fait, de Sarah Morel, comme de beaucoup d'autres que nous avons rencontrés dans cette recherche. 42 ans, qui vit du RSA, c'est-à-dire d'un revenu social minimum, qui habite chez ses parents depuis toujours. Sinon, elle serait... je ne sais pas où elle serait, sinon. Et qui a produit cette œuvre qui s'appelle « Identifiant numéro 0567498W, réalité d'artiste » en 2007, où elle essayait de se regarder, en fait, dans sa vie d'artiste. Donc là, elle se représente comme étant un des éléments du pôle emploi, voilà, perdu dans ses méandres. Non, on s'était croisé une fois déjà à Montréal. Oui, on se connaît, bien sûr. Je vous ai entendu, on pose son texte sur les carrières, de poète. Vous pouvez vous aider à voir des séquences. Mais ouais, mais je connais son texte avec ses séquences et de comment on peut à 30 ans, enfin on voit bien jusqu'à ceux qui réussissent, qui sont quelques-uns. Et ça serait, à mon avis, ça on connaît les travaux de Sébastien, mais c'est vrai qu'on les a pas encore mobilisés dans le cadre théorique, mais effectivement, on se disait qu'on le fasse. Et en fait, c'est le concept de carrière de. Ouais, mais je pense que c'est un peu difficile. Oui, il n'y a pas de carrière, mais il y a quand même des gens qui vont finir par être. Mais l'essentiel ne vont jamais y être. Ouais. Et il reconstitue vraiment ces étapes à la Baker quand il montre la carrière du déviant, la carrière du saint de danse. C'est pas quelque chose qui est des étapes nécessaires, incontournables, mais ça permet de penser en turning point, comme fait Abbott. Non, il y a le truc intéressant, je parlerai ça demain, après, c'est quand tu reprends aussi le concept d'engagement de Baker, tu te rends compte que si tu t'es trompé au début, en fait, ça a des conséquences vachement tard. Ouais. Ah bah ça, mais ça, c'est de la théorie classique des carrières. Et voilà. Pour toutes les carrières, c'est pareil. Ouais, mais tu vois, l'artiste, pour les artistes, on y pense moins spontanément. Bah oui, on y pense moins. Mais tu vois, à la fin. C'est du coup par coup, il fait une œuvre. Un prolongement qu'on a mis. C'était dans un jury de choix des œuvres. De choix pour donner des bourses d'art, des bourses en résidence. Les artistes sont tous en résidence. À des artistes où il y avait des milieux très mélangés, dont un sociologue, je me demande pourquoi, et puis des professeurs en sciences politiques, et puis des curators, là, des administrateurs, notamment pour dénoncer quelqu'un de Beaubourg. Et j'observais en sociologue, mais comme on n'y comprend rien, on est bien obligé de prendre cette position de très léger et de regarder les autres parler. Mais le jury, ce qui me frappait, c'est que les verdicts tombaient absolument sans justification. Pas à cause du caractère de la personne. Le caractère disait « Non, c'est nul. C'est entre un tel et un tel. Voilà, c'est réglé. Voir une mimique. Dans quel domaine, dans un jury chargé d'évaluer des choses, non seulement on a le droit de ne pas justifier ses arguments, mais c'est même obligatoire. C'est-à-dire que ce que je sentais très fortement, c'est que l'idée même qui commence à justifier ses jugements auraient voulu dire qu'il était mauvais, en gros, qu'il n'avait pas immédiatement perçu
ce que valaient les choses. Donc il s'est installé dans ce domaine de l'art contemporain, une forme extrême d'autonomisation d'une sphère que je pense on n'a jamais atteint nulle part. Partout ailleurs, vous ne pouvez pas construire une autoroute, débattre de la place de l'homosexualité, parler de la génétique, etc., sans qu'il y ait aussitôt ce forum des acteurs concernés, des publics concernés, complètement hétérogènes, tous sauf autonomes. Allons-y, tous les arguments sont bons et aucune autorité ne peut arguer de son autonomie pour défendre l'Église, la police, le pouvoir politique. C'est ça, le débat avec les publics concernés, et dans ces épreuves surgissent la réalité des choses. Ah mais, pas en art. L'art, on polémique, mais au nom de l'art. L'art pour l'art, c'est ça l'autonomie de l'art. C'est décider à s'affranchir progressivement dans des combats relativement musclés, de l'art pour le prince, de l'art pour le marché, de l'art pour le bourgeois, de l'art pour le commanditaire même. C'est ça, l'art pour l'art. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il a quitté le pragmatisme qui fait la valeur des œuvres, c'est-à-dire ce flux continu d'épreuves? Et est-ce qu'il ne faudrait pas corriger la formule et non pas dire l'art pour l'art, ce qui est une mort presque pire que l'art pour un objet hétéronome, mais l'art pour X, pour un inconnu. Donc l'art comme épreuve pour faire surgir du nouveau. Beaucoup de sociologues font une confusion entre cette valeur situationnelle et une valeur absolue. Et moi, je suis le précédent de le grand compositeur américain John Cage, qui, tu connais ça, il a écrit une œuvre qui s'appelle 4 minutes 33 secondes de silence. Mais le point est qu'il n'y a pas de silence. Dans cette courte période de temps, il y a beaucoup de sons. Mais on n'écoute pas. Et si on écoute, on entend quelque chose de très intéressant. Et c'est-à-dire, tous les sons sont en valeur. Tous les sons. Je rajoute des temps. Bon, il plaît pas trop celui-là. Si, je l'aime bien, mais c'est, ouais. C'est pas forcément évident. Ouais, non, d'accord. méditation. Ça te plaît? Les morceaux à trois temps, tu as? The jazz repertoire in action. He says yes, we say, okay, what key? And then we play it. But perhaps he says no. And then he'll say, no, but do you know this one? So we back until we find one that we all know, and then we play it. Or, more interesting, someone says, no, I don't know it. I think I can play it if you play it first. You play it first, and then I will listen, and the second time I can play it. Which means he has a skill. He can listen once, and then he can play the song. Or he says, no, I never heard of it, but that's all right. Or he says, I don't know it, and the first one says, oh, it's all right, it's I Got Rhythm with a Honeysuckle Rose Bridge, which is a kind of shorthand that means it has the same chords, same harmonies as the song I Got Rhythm.
But the middle part has the same chords as the middle part of another song called Honeysuckle Rose. And with this information, they can play together. But it's a good model for what happens in ordinary social life, because it's always like this. J'ai repris le schéma des mondes de l'art pour étudier les activités de coopération entre fans d'une série de télévision. Donc. Et c'est vrai que là, peut-être la seule limite que j'ai trouvée, ça a formidablement bien marché. C'était très puissant comme modèle d'analyse et j'ai beaucoup regretté de ne l'avoir pas utilisé avant dans le livre. Mais il y a là où il y a quand même un moment où on voit un point d'ombre, qui est assez lié à cette histoire d'un seul mot qui est convention, qui plus est convention commune, qui ne permet pas d'expliquer un certain nombre de situations de coopération ratées, de conflits, d'opposition, de rivalité. Et là, je n'avais pas dans les mondes de l'art, si tu veux, les outils que j'avais dès que je travaillais sur des formes de coopération très consensuelles. La question du conflit. C'est une question qui est posée tout le temps. Il y a l'idée qu'aux États-Unis, quand il y a un conflit quelque part, on a toujours le moyen de se tirer, d'aller ailleurs. Et il y a assez de place, il y a tellement d'endroits pour qu'on ne soit pas tout de suite pris dans la nasse d'une sorte de conflit pyramidal où celui qui est au sommet détient le pouvoir pour contrôler tout, etc. Et ça, c'était... Mais alors, il y a ce côté, s'il y a du conflit, je préfère m'en aller et je vais ailleurs et je ne vais pas me payer les emmerdements d'un conflit. Et ça, je ne sais pas si c'est un trait culturel, c'est certainement peut-être aussi un trait psychologique. C'est ce qui fait que tu aimes la discussion. I'm always reproached with this. And for me, first of all, one of my masters was George Simmel, for whom conflict is a form of cooperative activity. Mm-hmm. I mean, it's a verbal trick, right? But it's also a fact. I mean, you can't have a match of judo unless the two people understand how you do judo, because there are rules. You can't have a conflict of chess without an agreement on rules of something. We have to know what we're doing. Are we fighting? Okay, how are we fighting? On peut discuter entre collègues comme ça, y compris très très violemment. Si je m'énerve et que je donne un coup de poing sur le nez de Pierre-Michel parce que ça devient insupportable, etc. Je pose la relation et l'échange dans un registre très très différent, d'une certaine façon. Presque le conflit qui, dans ce moment-là, qui va déterminer les frontières de la situation. Oui. Sur un point, on peut dire que Howie et par exemple Bourdieu sont d'accord, c'est que pour qu'on puisse définir un conflit, il faut d'abord que les gens soient d'accord sur les règles du jeu avant de se taper sur la gueule. Si tu me tapes sur la gueule alors qu'on n'est pas en situation de conflit, tu instaures un nouvel ordre et peut-être que je ne vais pas te tirer ta chaise, mais je vais aller casser autre chose. Ça va mal tourner. Voilà. For me, I mean, the problem that Thomas raises is not a problem. It's an opportunity. And perhaps you know the expression from the computer world. It's not a bug, it's a feature. Ce qui m'a étonné, c'est que même à 82 ans, il est toujours cet esprit de... que le changement est possible déjà. Le monde bouge et c'est justement ça qui est intéressant, de faire bouger le monde. Et c'est ça effectivement qui est touchant et très intéressant dans la vision de Warbecker. Quoi. Donc, et c'est pour ça, moi qui ne connais pas non plus ses écrits, ces trucs comme ça, mais en voyant l'homme, même sans l'avoir lu, d'un côté tu peux le comprendre en l'entendant parler, en voyant comment, ne serait-ce qu'effectivement tu as des gens qui lui parlent, tu sens qu'il est alerte et intéressé. C'est ça qui est... Et ce soir, alors, tu vas jouer avec lui. Et ce soir, je joue avec eux.
pour l'instant. Moi qui en plus, le jazz, c'est un peu... genre voilà, moi je l'ai appris qu'en cours et donc j'ai jamais joué avec une formation de jazz et tout, donc là on va voir. On va vous jouer Jazz Friends. Préoccupée en fait ces derniers mois à savoir est-ce que j'ai envie de devenir chanteuse de jazz ou est-ce que j'ai envie de devenir doctorante. Et en fait, je pense qu'en prenant mon temps et en et en n'ayant pas forcément cette pression de vouloir tout faire tout de suite, j'arriverai bien à mener les deux, peut-être, enfin j'espère. Il faut découvrir ce que est possible. When I was in school, getting my PhD, I always thought that when I get my degree, they will make me stop playing the piano in bars. I don't know why I had this idea, but in a large city like Chicago, in fact, no one cares what you do if you're not at the university. One of my teachers was a professional football player while he was teaching at the University of Chicago. Then I thought, well, when I leave Chicago and go to a smaller place, then I will have to quit. And I went for 2 years to a small university town, but nobody cared. So I continued to play, and I continued to play for many years, and I didn't have to stop. What happened was the music business changed a lot. And the kind of work I used to do didn't exist anymore, because mainly what I did was to play in bars and for parties and so on. And the bars all bought television sets and they didn't need a band anymore. And the parties, more and more, had rock and roll. And they didn't have to pay them so much. So they preferred that. And so there was no more music for me to play. So I said, okay. So I didn't leave the business left me. Chez les jeunes, une forte pression, et donc on a besoin de gens comme Howard Baker qui viennent sans arrêt rappeler l'importance du processus de fabrication de la connaissance, qui nous montre que l'important n'est pas d'évaluer une production scientifique, on s'en fout d'évaluer. L'important, c'est d'aider des jeunes à fabriquer de la connaissance, les aider à développer un processus. De même que tout à l'heure, vous essayez d'aider des artistes à devenir artiste. Et l'accentuation sur ce processus-là, des gens comme Baker nous le rappellent sans arrêt, et alors que c'est vrai que l'administration de la science et les directions d'école ont parfois tendance à l'oublier. Ils veulent du résultat. Thank you.
j'avais déjà lu plusieurs livres de Howard et il m'aidait déjà par email parce qu'il était vraiment sympa. C'était au tout début de ma thèse, en 2001. Je suis allé à Pékin et j'ai observé un groupe de musiciens sur une scène dans un club. Puis je me souviens, j'étais en train de prendre des notes. Je pense qu'inconsciemment, j'avais Howard qui me disait des choses déjà. Puis d'un coup, je me dis, mais en fait, il faudrait que j'enregistre puis que je prenne des photos. Pourquoi j'ai écrit ? Il faut savoir que ma question de recherche, c'était pas la musique, c'était pas les acteurs, c'était les machines, surtout les machines électroniques, et puis la question de la différence culturelle. C'est lié au fait que j'ai toujours été, je suis actuellement dans un département d'études chinoises, dans une faculté de lettres. Traditionnellement, les lettres, ce qui nous intéresse, c'est les objets, les textes, les images, les sculptures, pourquoi pas les machines. On peut considérer les objets comme des fragments congelés d'actions collectives qui reviennent à la vie quand ils sont utilisés. De savoir où sont les ouvertures, à quel moment, de prendre des conseils. Moi, je sais, ça a été mon cas. Voilà, j'ai maintenant fait un doc de sociologie à l'Université du Mirail à Toulouse. J'ai jamais étudié à Paris. J'ai financé ma thèse en étant musicien. Voilà, parcours un petit peu comme ça. Quand vous faites votre conclusion, en fait, vous nous proposez pour les jeunes chercheurs d'être entre guillemets, des artistes intégrés. Mais il y a peut-être la place pour des francs-tireurs ou peut-être pour des gens qui ne seront jamais aussi intégrés, etc. Peut-être ajouter juste une question. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de toucher le problème du regard que les professionnels intégrés portent sur les francs-tireurs ? C'est une question qui peut-être interroge un certain nombre d'encadrants beaucoup plus directement que dans la façon dont on le pose en ce moment. Si les conventions du monde académique sont dégradées au-delà d'un certain seuil, si les chances d'avoir un emploi académique en suivant la voie normale, école normale, sont faibles, alors il y a de la place pour de l'improvisation. Et il est possible qu'en suivant un processus de création d'inspiration beckerienne, sans faire du Becker, mais dans ce style-là, et en prenant des chemins de traverse, y compris des chemins de traverse professionnels, c'est-à-dire en adoptant, comme il arrive à la plupart des jeunes aujourd'hui, une posture de sociologue amateur pendant des années avant d'être reconnu in fine comme académique, il est tout à fait possible de suivre la voie de Becker et peut-être d'arriver à une production intellectuelle, à une performance, un livre qui fera la différence par rapport aux gens qui se seront échinés à être conformes et à obtenir leur publication dans l'American Journal of Sociology. Cette génération aujourd'hui d'intellectuels précaires, comme disait voilà. Il y a quelques années. C'est du Becker en or. C'est de l'or pour une démarche beckerienne. Et c'est vrai qu'on peut dire que Harry Becker n'a jamais eu de poste, pendant 15 ans, comme on veut dire. Becker... Et c'est un ingrédient essentiel de cette manière de faire du travail intellectuel. Ah, oui. Il Alors faut être précaire pour le faire. Ah, oui. Donc c'est une ressource, c'est pas un obstacle. Parfois on nous dit, mais aujourd'hui, où sont les grands hommes ? Les Sartre, les Malraux, les Gide, etc. Et là, il faut bien dire qu'il y a un autre rapport à l'intellectuel qui est peut-être plus modeste, plus nombreux. Il y a une vraie démocratisation et que c'est peut-être plus ces grandes personnalités. Alors là, on en a une, mais qui est modeste d'une certaine façon, avec Howard Becker. Mais il y a un vrai changement. Et donc, on a travaillé sur... comment a évolué le rôle des intellectuels et comment Cerisy peut être encore plus utile demain dans le monde, sachant que la centralité de la culture française a quand même pas mal diminué depuis un siècle. Ici, on pouvait voir la centralité de la culture française. Au début, ici encore, mais aujourd'hui, c'est une des vraies difficultés. La vie est une activité pratique, il faut faire quelque chose, maintenant. Ok, je le fais.
je regarde la situation, oui. Je prends qu'est-ce que je peux prendre et essayer de travailler avec ça, d'extraire ce qu'on peut trouver là et essayer de l'utiliser. Si le résultat marche, bon. Sinon, il faut trouver quelque chose d'autre.